Être fidèle, avant de regarder cette vidéo, je vous encourage à cliquer sur le lien de la description qui vous redirigera vers la vidéo d'origine afin de la visionner dans un premier temps et de soutenir et encourager le créateur d'origine, que ce soit avant ou après avoir vu cette vidéo réaction et discussion. Merci et bon visionnage. Hey yo, ici Truffy et bienvenue pour un nouvel épisode de Truffisionnage. Dans Tell Me I'm Scared 3, c'est en notre compagnie que nous allons découvrir ensemble ce troisième épisode de la série extrêmement bizarre, je dirais même presque creepypasta. Des Muppets de Sesame Street. Et cette fois, ça a l'air de parler de... Je ne sais pas. Toujours disparu, quoi? Dernièrement vu le 19 juin? What, encore cette date? Oh, il faut un pique-nique cette fois. Isn't it nice to finally be outside on such a beautiful day? Quelle belle journée. Yes, and I've packed us a delicious chicken picnic. Ouais, délicieux, nom nom. Huh? Pesky bees. Le pauvre. He seems upset about ah, something. Tu crois? I wonder what will happen. On verra bien, hein, ça va encore partir en couille. It makes you sad, doesn't it? L'arbre lui parle. Oh! That there's so much hatred in the world. I hope you don't mind if I ask you a question. Si. A little baby pigeon. Ah, mais quoi? Have you ever wondered why? Bébé pigeon, non? What's it all about? You've no idea. And everywhere you look, all you see is hatred. And darkness, death and fear. But you know it doesn't have to be. But I hate you. Truc sur la haine. Il est un peu flippant, non? Harmony. Ça s'écrit pas comme ça, mais peut-être. Pédobi! Pédobi. Love, huh? I feel tingling. Moi aussi. Yes, that's love, my friend. Yay! And it's time for you to learn all about it. Il a pris du LSD. What? Wow, c'est bien fait en plus. And do you ever feel like life's unfair? Cause everybody hates you, no one cares. But if you follow me, maybe you will see. Il s'est pris cher. Love is everywhere. What is love? Is it in the sky? No, it's a feeling deep inside. Because I'm hungry. No, you're lonely. I can see it in your eyes. Qu'il est con. I don't understand. Don't worry, you will soon. Come meet some of my friends. They know all about love. Ça partira en gangbang. Just over the rainbow. Gangbang au-dessus de l'arc-en-ciel. There he goes. L'autotune du canard à chaque fois. Maybe we should follow him, or we'll get left behind. Yes, but there's lots of chicken left. I'd like to eat the chicken. Ah, il y a une mouche dessus. I'd also like to eat the chicken. Let's do that instead. Ah, ça part en cannibalisme. Here we are with all my friends, and they love you, all of them. Yes, we do. It is true. We love you. And you love us too. I love you too, furry boy. Harder. Now we've eaten the chicken. I don't know. Ah, no. Pourquoi il y a du sang? C'est cru! And we have finished the chicken picnic. Oui, tu as mangé du poulet, tu t'es presque mangé toi! To be kind and to share! I love my friends, I give them a hug! I made this for you because I love you so much! I love my pet because he's a crab! I love this tea and I love this stick and I love no, this. No, 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 that's not how it's done! You must save your love for your special one! My special one? Everyone has a special one! What? Even me? I am lonely! Yes, it's true, but do not worry! You're confused, but that's okay! Let me put it another way! This is the story of Michael, the loneliest boy in town. This is the story of Michael. Wow. The ugliest boy. C'est de Tim Burton, c'est bien fait. Ugly and weak, they called him a freak. So he lived on his own underground. He lived on his own underground. He lived on his own underground. Oh, le pauvre. You see, everyone has a special. Non, pas lui. Quoi? Even Michael. C'est un trou dans le sol. Beat hard like a big drum, calling for your special one. So be patient, because just maybe your special one will come. He's made for her. So she's made for him. So that's the way it's always been. And it's perfect. And it's pure. And it's protected with a ring. I don't know. That's the way it sounds. Love goes like a flower. It grows and grows. And it's forever. And forever. And now we all worship our king. Voilà, ça devient bizarre maintenant. Our king. Huh? Our king. His name is
is Malcolm. Sect. He is Malcolm. The king of love. We must feed him. We must feed him gravel. Des cailloux. No, the feed! Sauve-moi! And this is your chance to start. Oh, y a le bloc-notes et l'horloge derrière. Change your name. Clean your brain. Forget about anything you ever knew. Nope. And your heart will vanish home. And our love will never go. And now wear this ring and join the game. And you will never be alone. Un mauvais rêve, ok. Ou pas. Oh, there you are. We've been looking for you all afternoon. We're sorry we upset you, but look, we've brought you the last boiled egg. Comme c'est gentil. To cheer you up. I guess it must be because we love you. Gay. Me. Oh! Father! Quoi? Pesky bee. Ça brûle, c'est quoi ce truc satanique? Malcolm brûle! What? Y a un vieux qui brûle une statue dans un pré. Quoi? L'amour est brûlé. L'amour est brûlant. C'est tous les fous qui ont réalisé ça. Bon, je crois que c'était le plus long jusqu'à maintenant, non? Super mélodie, j'ai trouvé. Très catchy, j'ai envie de la réécouter. J'aime beaucoup la voix de la pédobille. Je trouve que la synergie entre la musique et les paroles sont... Je crois que c'est la plus mélodieuse. Et le message derrière, bah, l'amour. Mais là, il y a un message de culte derrière, de religion, de avec l'anneau, ça fait très, très chrétien, enfin très mariage, tout ça. Et comme on le voit encore, il y a encore du brainwashing, du lavage de cerveau, de la lobotomisation avec le fait que... Enfin moi, je suis pour ces valeurs. Tu trouves ta partenaire idéale et c'est pour la vie, et c'est parfait, c'est pur. Mais après on voit la déviance avec l'anneau, avec... Emma Ash, ta gueule Gimli. Donc je trouve que c'est un message assez particulier. Comment se faire enguirlander par des belles valeurs, des belles paroles dans un truc qui nous dépasse, une secte, se faire laver le cerveau. Enfin, c'est ce que j'ai compris moi dans cette vidéo, il y a vraiment un espèce de message ainsi, je trouve, avec toute cette connotation religieuse, sectaire, ce dieu qui mange des graviers, pauvre caillou. Sacrifice pour l'amour, au moins il est content, c'est pour l'amour. La fin, il y a ce truc qui sort de l'œuf, ça représente l'embryon, la vie, l'œuf évidemment. Et ça n'a aucun sens. Parce que ça voudrait dire qu'il y perd, ça veut dire que l'abeille l'a sodomisé, et ils l'ont violé gangbang. Et le fruit de l'amour sort de l'œuf, enfin qu'est-ce que... Pédobie, je l'avais dit, c'est pédobie. Donc est-ce qu'on peut y voir autre chose que ce qu'on y a vu, parce que ça peut être par exemple les délires d'un enfant. Et en fait, il s'est fait violer par une secte qui a prôné l'amour. Et il y avait encore son père, il me semble. Son père qui avait l'air très bizarre à regarder du porno sur l'ordinateur. J'ai de plus en plus l'impression que c'est un univers de un peu de gamins déglingués, en fait. Qui sont dans cette réalité-là. Enfin, c'est pas une réalité, mais... Dans cet univers spécial où ils sont abusés par le système. Et là, ils sont toujours portés disparus. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi ils sont disparus depuis le 19 juin, une date apparemment emblématique dans cette série. Pourquoi? En tout cas, j'ai beaucoup aimé celui-là, au niveau de la mélodie, au niveau de la réalisation, c'est toujours aussi fun. Là, il y avait beaucoup de dessins, et des styles différents graphiques qui étaient très bienvenus. Et beaucoup de travail aussi, hein, quand on voit le nombre de trucs, de décors, d'accessoires, ça va être un truc de malade à faire. Donc bravo à eux. Toujours aussi cool à regarder, j'ai hâte de voir le 4. Et la suite. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre en favori, à partager la vidéo de votre entourage, et si vous n'êtes pas encore, devenez un très fidèle. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Don't Tell Me I'm Scared.